Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Total Energy C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie ici qui, est, qui exerce dans le secteur euh, pétrole et du gaz. Je ne parle même pas d'énergie renouvelable parce que comme je l'ai mentionné ici, pour le moment, c'est une compagnie... Je dirais quand on dit pétrolière ici, voilà, ça concerne le gaz, hein, mais plus de gaz et c'est plus, plus, plus du gaz, je pense, sur Total Énergie. Donc, quand on va l'évaluer aujourd'hui, on sait que son, sa valeur dépend, enfin, ses bénéfices dépendent du prix de la commodité. Or, on se situe sur une période où le prix de la commodité a augmenté, etc. C'est très très bien pour Total Énergie. Elle gagne beaucoup d'argent. Mais comme je le mentionne toujours, ça reste cyclique. C'est un price taker et non un price maker. Donc, quand vous êtes un price taker et que vous subissez le prix, le plus important pour vous, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas du marché. Est-ce que c'est le cas pour Total Semblerait-il Ok. Donc, enfin, je ne dis pas qu'elle est les coûts de production les plus bas du marché, mais elle se concentre essentiellement sur les coûts, selon le management ici, etc., qui est d'abord, qui est d'ailleurs qualitatif. Donc on a déjà fait, eu à faire l'évaluation ici plusieurs fois. Je pense que aux en tout d'une cinquantaine, nos propriétés aux environs d'une cinquantaine d'euros ici. Je vous disais que l'entreprise était correctement évaluée à ces niveaux-là. Et encore, ce qu'elle devrait faire ici, c'est peut-être racheter des actions. Et il me semble que c'est ce qu'on a que de faire en date d'aujourd'hui massivement. ce qui est une bonne chose. Donc. On avait également mentionné que les gens qui ont acheté du Total Énergie aux entoures d'une trentaine d'euros, etc. Restez tranquilles, gardez vos actions tranquillement au chaud et encaissez, encaissez vos dividendes. Sur ce genre dentité si le dividende est très, très important chez les compagnies cycliques. D'accord Donc le maintien également de ce dividende-là est très, très important dans le futur. Il ne, suffit, il ne suffit juste pas de payer un gros dividende en date d'aujourd'hui et de s'essouffler demain. Non. Il faut payer un dividende que vous pouvez maintenir dans le temps. D'accord pour Total Energy ici, pour le moment, tout se passe très bien. Elle se négocie à six fois les bénéfices. Et vous allez vous dire que oh, c'est sous-évalué. Peut-être pas. C'est peut-être pas sous-évalué. Alors, en tout cas, selon moi, quand on va regarder les éléments d'évaluation actuels, on va peut-être trouver que ce n'est pas sous-évalué. Alors, commençons par le revenu. Croissance de revenu ici, oui, mais vous voyez ici que c'est cyclique. Il faudrait également regarder les marges brutes. Généralement, pour voir si une, une, compagnie, euh, si une compagnie ici a des coûts de production très bas, ça, parfois ça commence par la marge brute. Vous, vous allez comparer les marges brutes des différentes entreprises dans le secteur d'activité, surtout pour les, sur les entreprises pétrolières int, verticalement intégrées. Okay. Vous allez comparer les marges brutes histoire de voir qui a les marges brutes les plus élevées. Okay. Ça, il ne suffit juste pas de regarder la marge but hein. C'est un élément qui peut vous donner une certaine bonne information. Donc, la marge but comme je la vois ici, je sais qu'elle est une ce qu'elle soit instable, mais il faut qu'elle soit à un certain niveau. Je vois ici qu'on. Quand je dis un certain niveau ici, je veux voir à peu près qu'on se. Menti, je, veux avoir, je, je recherche à peu près une certaine stabilité des, des marges brute. Ok, Malgré le, 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 le fait que la compagnie soit cyclique, on a quand même des marges brutes de log ici de 33% en moyenne. Okay. Ensuite, on va regarder la marge EBITDA est-ce que c'est la même chose La marge EBITDA ici, vous remarquez qu'elle tend avait tendance à diminuer sur les années précédentes. Aujourd'hui, on gagne beaucoup d'argent. Enfin, là, on a des marges brutes plus élevées, mais ce n'est pas la première fois. Et comme d'habitude, regardez la stabilité des marges brutes. Des marges EBITDA, excusez-moi. Donc, questionnez ici à peu près, je, je prendrai la médiane. Hein. Donc, comme d'habitude, pour moi, quand je regarde cette compagnie ici, ce sont des marges brutes de 18%. Et peut-être même moins que ça. Parce que entre 2012... Et à peu près 2020, on a eu des marges inférieures à 18%, donc je prendrais peut-être les cinq dernières années, on était à 17%, 10 dernières années on était à du 16% par là, ok? Donc ici, on, ça reste assez cyclique, comme on peut le voir présentement. Donc si je dois évaluer ce business, si je ne prendrais pas en considération les marges actuelles, même pas si, je ne prendrais pas en considération les marges actuelles. Free cash flow, net income, est-ce que les deux parlent le même langage? on remarque ici que les free cash flow, les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. Ça peut être normal parce que la dépense en capital peut être très élevée ici. Mais à la finalité, c'est que les net income représenteront généralement la véritable rentabilité de ce business. Tout simplement parce que c'est un business à capital intensif. OK Donc, comme on peut le voir ici, les net income actuels sont très, très élevés, près de 19 milliards. Mais ce qui nous intéresse avant tout, d'avoir des net income médians. Alors, en prenant, quelle est l'hypothèse qu'on prend en prenant la médiane C'est ceci. Malgré le fait que la compagnie gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, OK Si le prix de la commodité baisse, en prenant en considération l'évaluation précédente, les, les variations précédentes ici, ce qu'elle a pu rapporter par le passé, tout en se disant que le business est le même, sinon meilleur qu'avant, est-ce que cette compagnie aura la capacité de rapporter au moins du 12 milliards sur les années à venir Si on prend les 20 dernières années. Mais je rappelle que. Parfois, c'est bien de comparer les 20 et 10 dernières années. Donc ici, sur les 10 dernières années, on a près de 12 milliards en 8 milliards Et n'oubliez pas, je l'ai pris ici en 12 sur les 12 derniers mois. Ça peut également fausser le résultat. Donc peut-être même parfois, c'est bien de regarder ça en, annuellement. Donc si je prends les 10 dernières années, on a à peu près 9 milliards 600. 000. Les 20 dernières années, on a du 12 milliards 800 en euros ici. Euh, non, c'est en dollars américains ici. Excusez-moi. Ça, c'est en dollars américains et ça peut peut-être nous jouer des tours. Prenons-le en euros parce que c'est la compagnie ici, c'est Total Energy. C'est en euros. Donc, il faut toujours vérifier ici la monnaie, la devise. Voilà. C'est du 10 milliards d'euros ici. On a 10 milliards d'euros en date d'aujourd'hui. Enfin, sur les, 10, sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années, c'est 7 milliards. Quel est le chiffre que je vais donc prendre? Psychologiquement, je serais tenté de prendre le 10 milliards. Mais non, il faut que je prenne les deux chiffres. OK Ici, aujourd'hui, je vais vous laisser prendre le, second chiffre, le, le, le chiffre le plus bas ici. Moi, je vais juste me focaliser sur le 10 milliards d'euros ici. Je me dis qu'au moins, est-ce que ce business a la capacité de rapporter au moins 10 milliards d'euros en moyenne sur les 20 prochaines, 10 prochaines années 10 milliards, 0,4. Mais tu payes par 15 fois les bénéfices. Je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour une compagnie pétrolière. Ça, c'est mon avis. OK, qu'importe la compagnie, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Moi, la dette nette actuelle. Et la dette nette, si toujours aller vérifier sans prendre en considération les loyers. OK. Ici, on a, je vous laisse aller faire ça dans les rapports financiers, on a 26,7 milliards. Moins 26.7 divisé par le nombre d'actions. à peu près. Euh, oh, attention, la dette nette ici, attention, c'est en dollars américains. Il faut la mettre ici en euros. Vous voyez, la devise nous joue souvent du... Tout. Donc, en euros, c'est 25 milliards, 25. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça va aller. C est, c est, ça, ça c'est correct. OK C'est un milliard de différence. Je ne dis pas que c'est beaucoup, mais... Voilà, c'est peu près 0,5... C'est peut-être 50, 50, 50 centimes d'euros ici. Ça n'a pas changé grand-chose sur nos évaluation Donc, on va le laisser comme ça. Divisé par le nombre d'actions actuelles, je vois ici que l'entreprise rachète massivement ses actions et c'est ça qu'on veut. Ok, le rachat massif d'actions. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 2,47. On va vérifier au dernier trimestre. Peut-être qu'on a même moins que ça. Ici, 2,44. Voilà. Donc, divisé ici par 2,44, ça donne au total 50 euros. Je pense qu'on revient à peu près sur la même tendance que la dernière fois. 50 euros. Donc, pour ce business-ci, je ne paierai pas plus de 50 euros. Puis je devrais l'acheter, l'acheter en totalité ici, en prenant en considération les différents éléments. Oui, je sais qu'elle va gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps, si la, le prix de la commodité va diminuer dans les années à venir, etc. Mais je sais une chose, c'est que c'est un secteur d'activité qui a tendance à mal se comporter. Parce que quand on gagne beaucoup d'argent, certains pays vont commencer à augmenter la production, histoire de gagner beaucoup plus d'argent très rapidement. Or. Ça peut clairement ici entraîner une surproduction, le prix va baisser. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver dans ce genre de situation-là. Donc, ici le 50 euros, ce serait le maximum. C'est le maximum que je suis prêt à payer. Sur le 10, millions euros qu 10 milliards d'euros qu'on pourrait rapporter ici en moyenne, on me demande de payer à 150 milliards aujourd'hui un business qui pourrait me rapporter 10 milliards d'euros. C'est 6,66%. C'est pas mal. Ok. Donc 6,66% par rapport au prix actuel. Hein? Ok. Donc si je prends en considération la dette, ce sera beaucoup moins que ça. Dans tous les cas de figure, au prix actuel, je dirais que Total Energy, nous sommes à des niveaux assez élevés. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais prix également, mais bon, c'est pas un prix qui va généralement m'exciter bien plus que ça. Mais dites-vous une chose, si le prix de la commodité reste à des niveaux assez élevés pour les années à venir, ce prix-ci n'est pas mauvais non plus. Okay de toutes les façons, je ne pense pas qu'à 63 euros, quelqu'un surpaye. Mais ce pas non plus l'opportunité du siècle. Ok, Donc, il ne faut pas juste regarder ça ici. Total énergie à 600, etc. 6 fois les bénéfices. Non, ça, c'est trompeur. Maintenant, si je l'achète, c'est par rapport au dividende en réalité. Le 4,70% ici, il est assez safe. Et quand bien même je prendrai en considération l'estimation future, des ici, l'estimation aussi des analystes en sachant que 33% du temps, ils se trompent. Il faut se dire ceci. N'oubliez pas que c'est d'abord les free cash flow qu'on regarde. Et les free cash flow ici, l'historique, le passif ne parle pas pour la compagnie. Le futur, ça semble être assez correct ici. Et si on prend ça à 10 fois les free cash flow, si on prend ceci à 10 fois les free cash flow, nous avons un business qui... Voilà. Je ne paierai pas. Parce voilà. On reste aux tout d'une soixantaine d'euros. D'accord Donc, dans tous les cas de figure, comme je l'ai mentionné ici, chacun a des objectifs de rendement bien, bien précis. Dépendamment de vos connaissances sur ce secteur d'activité, tout ce que je veux, je veux juste vous inviter à la prudence sur les compagnies cycliques. C'est vraiment très trompe, c'est vraiment un piège quand vous regardez du point de vue PER, etc. Non, faut toujours les normaliser, avoir une idée à peu près où est-ce qu'on se situe au niveau du cycle, même si c'est difficile à peu près à voir si la fin, cycle, c'est la fin du cycle ou bien si c'est un début de cycle ici. Voilà, c'est assez complexe à analyser ce genre d'entité. On peut également j'aime bien les, évaluer, les les acheter également par rapport à la valeur des actifs tangibles nets par action. En date d'aujourd'hui, ces actifs tangibles nets là ont une valeur de log de 34 dollars. 34, je pense c'est 34.58$. Je ne sais pas maintenant si c'est en dollars ou en euros. On va vérifier si c'est en dollars. Je vais le mettre ici en euros. Donc 32.71. Donc si on veut me chercher à 32.71, c'est parfait. C'est pour ça que je mentionnais ceci. Les gens qui ont eu tendance à acheter du total energy. Pendant la crise de 2000, 2000, euh, 2020, donc à peu près versé niveau 6, à une fois les, les actifs tangibles nets nettes par action, gardez vos actions. Je sais que ça peut être tentant de vendre parce que l'entreprise voilà, ici, vous avez doublé vos capitales, etc. Vous, êtes, vous voulez vendre pour acheter plus bas. Vous avez un prix extraordinairement bas. Encaissez vos dividendes et restez tranquille. Juste ce fameux, ce dividende-là, c'est ce, la seule chose qui devrait vous intéresser. Donc, intéressez-vous à la pérennité de, ce de, de, de ces dividendes dans le temps. Et pour le moment, si on se situe aux en-dessous de 3 euros ici et que j'ai acheté ce business à 30 euros, j'ai un rendement de 10%. Laisse même la performance de côté. À, la, à long terme, ici, tu as un rendement de 10% juste avec ton dividende. Et si tu l'as mis en PEA, c'est parfait. Donc, pour ceux qui ont du total énergie à une quarantaine d'euros, à une trentaine d'euros, laissez la compagnie tranquille. Et si vous êtes même très stressé, vendez une enfin, enlevez la somme de départ, laissez les bénéfices courir. Il y a de fortes chances que dans le futur ici, voilà, que ce soit assez rémunérateur, que ce soit que ce soit un placement assez rémunérateur, dépendamment du prix, hein, dépendamment du prix. Mais bon, si je l'ai acheté une cinquantaine d'euros, je pourrais bien prendre mon mes bénéfices. enfin, peut-être que c'est le moment de, de de réfléchir à prendre quelque chose sur la table. Bref, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. Vous faites ce que vous voulez. Mais on est d'accord sur une chose à 8 fois, 8,7 fois des bénéfices. Ça ne veut pas dire que l'entreprise, les fric à chaud, ça ne veut pas dire que l'entreprise est sous-évaluée. OK C'est une compagnie cyclique très normale d'avoir ces niveaux de valorisation-là. D'accord Pour moi, ici, on sera une 50 euros, c'est le max. Ici. OK Pour le moment, je ne pourrais pas dire que 63 euros ici, c'est que l'entreprise est surévaluée. Non, pas non plus non, non plus. Parce que ça dépend ici de la, de, du prix de la communauté dans le futur. Et pour le moment, selon les analystes, ici, on s'attend à des prix. On s'attend ici à des bénéfices nets aux alentours de 8 à 9 euros par là, à 10 fois les bénéfices ici, ça, ça peut être assez intéressant. Mais je sais que les cycles, le cycle peut se retourner assez rapidement. Très, très rapidement. OK? Si vous regardez même les performances calculators ici, vous remarquez que... Les, les, les attentes sont de plus en plus élevées, mais ça fluctue également. Okay? Donc, il faut faire attention sur ce business-ci. Ça reste une belle entreprise, mais tout dépend du prix que vous avez payé. Comme je dis tantôt ici, si vous voulez vraiment investir sur du total énergie aux alentours d'une cinquantaine d'euros, max, ça devrait être comme max en date d'aujourd'hui. Si vous l'achetez au prix actuel, vraiment, il faut commencer à prier que les bénéfices restent au moins à ces niveaux-ci sur les années à venir. En tout cas, ce n'est que mon point de vue. Et non, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, moi, je me réserve le droit de me tromper. Et je n'investirai jamais sur une compagnie sans lire mes rapports financiers. OK Ceci n'est qu'une analyse quantitative. Ça nous permet de poser les bonnes questions. OK Mais sûrement pas d'acheter la compagnie parce qu'on a uniquement regardé les chiffres. Non. OK Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de celle-ci, vous avez. Le, la, le lien vers la top newsletter où je partage généralement des analyses sectorielles. Et on se dit à bientôt. Merci.